Je suis back. Back. Bon ben, je suis en train d'installer des appelants. Je vois quelque chose qui s'en vient à la course en volant. Une belle petite bernache tout seul. Écoute, je sais. Hop. Fait que c'est parfait, ça commence bien. Yes sir, on a trois. J'ai même pas eu le temps de faire d'intro. On commence notre chasse. Je finissais d'installer les appelants. Il y a une bernache qui est arrivée tout seul. Là après ça, il y a deux groupes qui sont rentrés. Il y a un groupe qui s'est posé plus bas dans le champ. Puis l'autre groupe, j'ai callé fort puis ils se sont envenus vers moi. Le matin, on est caché comme ça dans le fossette. J'ai rapproché les bernaches très près du chemin. Il y a comme un chemin qui passe en avant ici. Fait que c'est quand même assez réaliste. On sont toutes dans une ligne. Une ligne d'environ 250 pieds. Fait que ça a beaucoup d'impact. Puis j'ai fait ça, j'ai fait comme un pattern en W. Fait que les bernaches, ils se posent dans les trous. Quand ils sont dans les trous, ils sont à portée. Fait que s'ils sont à l'extérieur des trous, je prends pas. J'attends vraiment qu'ils sont dans les trous. Parce que je suis quand même à une bonne distance des trous, là. En fait, du bout du setup, d'une extrémité à l'autre. Jesse, back! Ouais, on a vraiment une belle journée. Une belle journée venteuse. Ah ouais, Jesse! C'est des grosses bernaches, là. On voit que c'est des... C'est des résidentes. Elles sont très grosses. Vas-y, Jesse! Tac! Tac! Hein? Pas une fille! Ouais! Fait qu'on est déjà à trois. Yes! On a notre limite! Yes, sir! Yes! Et c'était malade, ça! Aïe, aïe! C'était malade! All right, Jesse, back! Pas une fille.
Ouais! Ouais, bonne fille! Ouais, ben notre chasse est faite. Aïe aïe! Une belle façon de finir la saison. Bon ben, en tout cas, ça a été vraiment une super belle chasse. Des belles grosses rentrées d'oiseaux, des oiseaux en plumes sur un beau petit couvert de neige, du gros vent. Quoi demander de mieux pour faire une belle chasse à Sauvagine? Fait que je suis vraiment satisfait. C'est probablement ma dernière chasse à Sauvagine de la saison. On va quand même essayer de s'en reprendre pareil, là, mais d'après moi, c'est pas mal la dernière. Fait que les prochaines semaines, on va essayer de se faire des petites vidéos de chasse au lièvre, colletage, puis même des petites vidéos de cuisine. J'aimerais ça vous montrer ma recette de smoke meat de Bernache. Elle est écœurante. Fait que probablement dans les prochaines semaines, là, on va se faire ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait qu'on va se voir dans les prochaines vidéos. Salut, à la prochaine!